Laurence Kaniouka, porte-parole du mouvement révolutionnaire M23, dément la propagande quinoise et rappelle les principes fondamentaux du mouvement. Premièrement, le M23 ne cherche pas à prendre Goma. Cependant, si la coalition de Chilombo continue à bombarder aveuglément les zones densément peuplées, causant des dommages à nos mamans et nos familles, alors les lions sont dans l'obligation de faire taire les armes à la source. Deuxièmement, les lions pourraient même se retirer si un cessez-le-feu crédible était organisé par des organismes sérieux et inspirant confiance. Nous savons tous que le dernier cessez-le-feu a été saboté par Chilombo, les Wazalendo, ainsi que l'armée burundaise. Troisièmement, les lions de Sarambwe sont toujours prêts à une solution apaisée et négociée pour éviter les souffrances du peuple de l'Est, qui subit l'obstination aveugle des Quinois. Saké, les Wazalendo, viennent de désarmer quelques militaires FARDC qui voulaient se replier à Goma avec des munitions. Les miliciens ont intercepté ces véhicules armés par des canons Dogs.7 et les sont prises pour protéger la cité de Saké, selon cette vidéo RDC Chopo Kisangani. Un avion transportant les matériels de la SNEL obligé de retourner à Kinshasa parce que l'aéroport international de Bangoka ne dispose pas de chariot élévateur. L'autorité provinciale qui s'était déplacée pour les réceptionneurs était contrainte de débourser chemin, des souhaits et tout est honte bué. Le peuple congolais a marché pour deux raisons claires, exiger la rupture avec l'État agresseur USA, exiger aux autorités congolaises de chercher d'autres alliés géopolitiques au risque que le peuple puisse assumer ses responsabilités. Mimi kama jeshi M23, mimi nafurahi sana ginzi mimi nakomboa Kichanga. Wenzetu walikuwa naangamia sana. Mimi Mungu anatusaidia. Tunaona Kichanga yetu tena tunafika ndani. Mungu atatusaidia, wakaishi watarudia, watapata amani ginzi ilikuwa inastahili. Mimi adui hatumpendi, sisi tunapenda amani kwetu, hatupendi uasi, tunapenda turudishe amani mwinchi yetu. Eh, tunakomboa. Hapa tuko deja mu ligne de front, comme ligne de front hapa na wabiana. Wabiana, barbe sinjo niko nataka kimbia na mahavu nduki maminishu njo. Tuna decide basi kufurugana na wabiache wabiana, shepe ki tugombo mgini. Hapa tuko deja hapa kunivua kwa zaina yulu wapiaje ruti. Endemia angali mwilima male. Haingia sake wabiana wangana chunga ulinzi. Tout le monde rentre et les matériels de la SNEL qui étaient venus de Likasi sont restés dans l'avion et l'avion va rentrer à Kinshasa parce qu'il n'y a pas l'élévateur et voilà, nous sommes en direct de l'aéroport de Bangoka, l'autorité provinciale avec son équipe rentre, tout le monde rentre et l'avion doit décoller maintenant pour rentrer avec les matériels de la SNEL à l'intérieur. Parce que l'élévateur, pour faire descendre ces matériels de l'avion à Kisangani, n'est pas là. Depuis le matin, l'avion est arrivé à 10h30 et il est 16h passé. L'avion rentre maintenant sans que les matériels ne descendent parce qu'il n'y a pas l'élévateur. Quelle honte! Ah, pas tout comme ça que, population qu'on a Kimbia. Je suis allé à mon alentour et à Sake, mon ami, Marie Nassake, à
basoldats et tunjo bako na mettre ma panique bako na kimbia wote bako na shuka parce que population non na kuna mwa basoldats barudi ba kimbia population na ibaki cho population chana jipakula yote kabisa yote kanizu kunaona wote bako na kimbia kabisa hapa mimi ningali saki aki population te kama kwa sikia na masasi kwa lia kule kwa antenne ya saki.